L'EDIS, c'est un grand événement qui a pour vocation de réunir ici à Nantes l'ensemble des professionnels du spectacle, les acteurs culturels, pour leur permettre bien d'une part de se retrouver et puis aussi de débattre, d'échanger. Moi je me réjouis toujours de la haute qualité des débats qui sont menés ici à Nantes avec donc les grands débats dans le Grand Auditorium, avec les grands témoins aussi qui partagent leur vision innovante en matière culturelle. Le premier grand débat, pas de culture sans artistes. Je fais le choix risqué, certes, mais avec entrain, de m'adresser à vous envers Alexandre. Aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Je veux dire, il n'y a plus de saison culturelle. L'EDIS s'adresse à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans l'écosystème entre guillemets du spectacle vivant. Nous accueillons à la fois des représentants de théâtre, de salles de spectacle, de festivals, des agents, des producteurs, des compagnies dramatiques et chorégraphiques, des organismes de formation, des médias, des centres de ressources, des organismes professionnels. Vraiment tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel en France et à l'étranger. Alors les professionnels qui viennent exposer, ils viennent bien se mettre en connexion, soit avec des partenaires, avec des clients, avec des programmateurs, avec des réseaux. Voilà, ça permet d'initier des projets, ça permet aussi de développer ses activités et de communiquer sur ses savoir-faire. Je vois que les professionnels qui font le déplacement, qui viennent ici à Nantes, bien sont heureux d'être là. On le voit dans les conversations, dans l'ambiance aussi générale du salon. Voilà, il y a une ambiance de fraternité et de convivialité que l'on peut retrouver ici partout dans le salon. Quand on regarde autour de soi, on constate qu'il n'y a pas d'équivalent finalement sur la scène internationale, c'est-à-dire d'un salon avec cette ambition, avec ce programme, avec cette offre, avec ce nombre d'exposants, avec cette fréquentation et surtout avec cette atmosphère, cette effervescence.